tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo du livre au film pour vous parler de La promesse de l'aube de Romain Gary, publié aux éditions Folio, qui est sorti au cinéma en décembre 2017 et que je suis allée voir après avoir lu le livre. Voilà, en voyant qu'il sortait au cinéma, je me suis dit il faut que je lise ce livre, il faut que je lise ce livre. Et je me suis dit allez Audrey, va en librairie, achète-le, lis-le et tu verras bien. Et ce fut quand même une très très belle lecture, bien que certains points m'aient un peu dérangé. Du coup dans cette vidéo, comme d'hab, je vous parle un peu du livre et ensuite de l'adaptation, de la fidélité de l'adaptation, de ce que ça a pu donner au cinéma sur grand écran. Romain Gary raconte dans ce roman autobiographique son histoire, bien que évidemment il y ait quelques morceaux de fiction à l'intérieur de ce livre. Ce n'est pas que sa vie, tous les détails ne sont pas réels, mais ça après c'est à nous d'en juger parce que nous ne sommes pas dans sa tête, bien évidemment. Et donc Romain Gary raconte son enfance avec sa mère qui avait beaucoup d'espoir pour lui, un peu trop d'espoir pour lui, et sa mère qui n'a jamais refait sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'a aimé que le père de Romain Gary et elle décide qu'elle n'aimera plus jamais personne d'autre, ce qui fait qu'elle ne vit que pour son fils et qu'elle ne vit qu'avec son fils. Qui vous laisse imaginer la relation qui peut unir ce fils à cette mère, c'est clairement très difficile pour lui, certainement très difficile pour elle aussi, mais nous ce qui ressort c'est que Romain Gary a été profondément impacté par cette relation qui a presque viré sur la relation nocive au bout du compte parce qu'il a beaucoup souffert de tout ça. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé de quelle manière c'était traité, les très belles citations que Romain Gary nous écrit là-dedans, à propos d'une relation qui unit un fils à sa mère, à propos de sa mère à lui qui était seule, qui n'avait que lui parce qu'il était en plus enfant unique et qui avait tous les espoirs du monde pour son avenir. C'est un roman qui est vraiment beau, vraiment touchant par rapport à toutes ces petites conversations qu'on va suivre entre lui et sa mère, ces petits mensonges qui va lui servir parce qu'il sait que sinon il la décevrait. Et c'est vraiment très amusant parfois parce qu'il va lui inventer des choses qui sont clairement tellement grosses à nos yeux mais qui aux yeux de sa mère sont tellement belles, sont tellement mettre son fils sur un piédestal et du coup c'est parfait pour elle. Il est très fort d'ailleurs, il arrive à savoir vraiment ce que sa mère va croire et ce qu'elle ne va pas croire. Et j'avoue que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée, principalement sur la première partie. Je vous avoue que la deuxième partie de ce livre a été beaucoup moins passionnante pour moi, c'est totalement subjectif bien évidemment, mais moi j'ai beaucoup aimé cette première partie sur son enfance, de quelle manière il a grandi, de quelle manière cette relation l'a fait grandir, ses rencontres, sa vie étudiante. Et c'est pas la deuxième partie, c'est plutôt le dernier tiers du roman on va dire, qui s'appuie beaucoup sur la guerre. Alors certes c'est très dur, du coup c'est très important qu'il ait écrit ça, Romain Gary, parce que ça fait partie de sa vie. Mais je vous avoue que moi ça a été un moment du livre qui m'a beaucoup moins intéressée, bien que ce soit important pour la suite de l'histoire. Mais voilà, j'étais quand même moins passionnée et moins impatiente de retourner dans ma lecture que lorsque j'en étais aux premières pages. Mais ça forme un tout, ce qui fait que c'est quand même un livre qui m'a beaucoup émue, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je suis allée voir le film. Voilà l'affiche ici. En fait je dis ça, mais l'affiche c'est la couverture du livre que j'ai acheté parce que j'ai acheté le livre qui va avec le film. Je suis un peu déçue d'ailleurs. Alors le film, parlons-en. Alors pour moi les acteurs sont géniaux. Vraiment, ils jouent extrêmement bien. C'est tellement juste, tellement proche du livre au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on peut ressentir sur cette relation justement qui s'installe et qui évolue au fur et à mesure de l'histoire. Mais j'avoue que moi j'ai quand même relevé un petit truc qui m'a dérangée, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez lu ou vu ou l'un des deux ou les deux, mais lorsqu'on voit le film, j'ai trouvé que sa mère était particulièrement dure dans le film, ce qui était moins le cas dans le livre. C'est-à-dire que dans le film ils ont mis les grosses scènes un peu dures, vraiment très dures même, de confrontation entre la mère et le fils, alors que dans le livre, Romain Gary raconte ces scènes bien évidemment, ce sont celles qui ont été reprises dans le film, mais il y a beaucoup beaucoup de petites scènes de leur amour, de leur, enfin du fait que leur relation reste saine tout de même. Je dis pas que c'est sain une relation comme ça, mais je dis juste que dans le film elle fait vraiment parfois beaucoup trop, elle surréagit à certaines choses, alors que dans le livre on comprend un peu qu'elle surréagisse parce qu'il y a des scènes qui viennent apaiser un peu tout ça, mais dans le film c'est un petit peu dur parce que du coup on voit ces scènes vraiment très difficiles à voir, à ressentir, et on a moins cet équilibre des choses. C'est ce qui m'a un petit peu déçue je dirais. Mais après pour le reste, le jeu d'acteur je l'ai trouvé fabuleux, les images, la manière dont c'est filmé, tout ça j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, c'était très très beau. Le fait qu'il y ait une voix off, j'ai trouvé ça juste magnifique, vraiment ça c'était, ça reprenait exactement les termes du livre et du coup ce n'en était que plus beau parce que vu que je venais de le lire, je trouvais ça magnifique de l'entendre avec des images associées, c'était juste un très beau voyage. Donc voilà, l'adaptation à mes yeux reste quand même très belle, bien que voilà, il y a ce petit défaut que j'ai relevé et que je tiens à vous dire parce que je me dis c'est quand même important de savoir que je trouve que dans le film la mère est beaucoup plus dure que dans le livre parce que je trouve ça triste, sinon on la voit trop
presque méchante dans le film, alors qu'elle n'est pas comme ça, bien que un petit peu complexe à comprendre. En tout cas, si vous voulez lire le livre ou voir le film, bah voilà, sachez que moi j'ai aimé les deux, à leur manière chacun. Voilà, dans le film par exemple, le côté sur la guerre, bah ça j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouvais ça très intéressant de le voir, mais à lire c'était quand même moins passionnant à mes yeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette histoire, ce que vous en avez pensé, ou alors si vous allez le faire. Et sur ce, je vous dis à très vite et passez de très belles lectures.